Madame Pompili, jusqu'à maintenant, on nous a toujours répondu que ce dossier des bassines n'était pas un dossier transition écologique, n'était pas un dossier qui dépendait de votre ministère, mais plutôt du ministère de l'Agriculture, à travers le fait que 53% des financements viennent de l'agence de l'eau, dont vous êtes ministre de tutelle. Pour nous, en tant que simples citoyens, c'est évident, vous êtes la personne prépondérante au gouvernement pour dire oui ou non à ce type de financement, et donc oui ou non à ce type de projet. Madame Pompili, si vous connaissez mal le dossier, on vous l'annonce, ce dossier crée beaucoup de tensions, et on l'a déjà dit, on ne laissera pas faire. On ne peut pas, en tant qu'humain habitant ce territoire, se projetant pour les générations futures, laisser ce genre d'aberration émerger sur nos territoires, mais pas plus ici qu'ailleurs. Donc vous avez un rôle historique à remplir, et on vous l'annonce, si vous veniez à ne pas faire valoir votre droit, votre devoir de ministre garant de l'intérêt général et de la transition écologique, eh bien sachez qu'on n'oubliera pas le rôle qui serait le vôtre dans le cas où vous donniez le feu vert, et que sachez que la résistance s'organise, et que dans le cas où le recours ou la décision sera entérinée, elle fera l'objet de nombreux recours, la Cour des comptes n'en étant qu'un petit aperçu. On pense que ce serait dommage d'en venir jusque-là parce que votre ministère est déjà fragilisé. On se rend compte qu'il pèse déjà peu par rapport à d'autres ministères évalués comme plus stratégiques, et qu'on sait que sur ce dossier des bassines, la voix de M. de Normandie prévaut. Il faut savoir un moment ce qu'est être écologiste, puisque vous revendiquez toujours comme tel. Quand un bien aussi fondamental que celui de l'eau est mis en péril, à ce point-là, il y a un moment où il y a des couleuvres où on ne peut plus les avaler. De la même manière qu'il n'y aurait pas dû y avoir de renégociation sur les néonicotinoïdes, on ne peut pas avancer d'un pas et puis reculer les mois qui suivent. On ne peut pas, surtout pas faire ce cadeau royal de cette eau sacrée, de cette eau dont on a tous besoin, cette eau qui nous appartient, à ceux qui aujourd'hui portent ces projets-là. Parce que si on vous a dit que c'était des petits exploitants, de nets petits maraîchers qui étaient le porteur de ce projet, on vous aura menti. La réalité, c'est que ce sont les plus gros. L'essentiel, plus de la moitié sont des céréaliers qui font de la culture à vocation de commerce international. Ces bassines, elles sont faites pour transformer l'eau en une denrée, en une matière première exportable à l'échelle mondiale. Et aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas du tout le sens dans lequel on doit aller. Ce n'est pas le sens de l'histoire. Vous le savez, on est en train de crever de ces mouvements internationaux, on parlait tout à l'heure des pâtes qui poussent avec du blé dur de Vendée et qui vont se faire transformer en Italie pour être consommées en Vendée. Il faut sortir de cette aberration et de ce schéma-là. Et donc, on vous invite très vivement, chaleureusement, à prendre une décision historique et qui marquera une rupture. Et la première, ce serait d'annuler ce vote sur les bassines. La part belle est toujours donnée aux irrigants historiques, à ceux qui, dès les années 80, à qui l'État a attribué des volumes qui dépassent l'entendement sur des petites communes comme le Bourdet, une simple réserve de substitution, ou plutôt une bassine tampon de 160 000 m3 pour un seul individu. Il n'y a pas deux emplois, il n'y en a qu'un. Hein, il est le patron, comme ça, il n'y a pas à s'embêter avec des employés. 160 000 m3. C'est même pas, ça dépasse la consommation des quatre communes autour, des habitants en une année. C'est absolument incroyable, et c'est pas le pire, il y a des 250 000 m3 attribués à certaines personnes. Alors évidemment, pour la photo, cette fois, la Coupe de l'eau, d'abord, c'est une coopérative, donc ça fait bien, mais la Coupe de l'eau a essayé de mettre en avant de quelques éleveurs, qui ne sont pas forcément des vrais éleveurs, puisque les bêtes ne sont pas forcément sur de l'herbe, mais les éleveurs, un ou deux maraîchers, ceux-là, on les met en avant. Mais les gros consommateurs, les irrigants historiques, gardent leurs privilèges et se cachent derrière. C'est difficile, vu leur volume, mais bon, ils sont toujours cachés. Et on conforte ça, on conforte ce modèle, et ça n'est pas possible, d'autant plus que, bon, on l'a dit, on le répète, mais le réchauffement climatique, il est là. Et il va bien falloir demain, enfin, se décider à partager ce bien commun qu'est l'eau.